m'appelle Anissa Metsen, j'ai 25 ans. Je m'entraîne depuis l'âge de 12 ans. Je m'entraîne à l'OGB, Olympique Garennois Boxe. Bonjour, je m'appelle Laetitia Lambert, donc j'ai 30 ans. Ça fait 16 ans que je pratique la boxe thaï. J'étais une fois championne de France de kickboxing, trois fois championne de France de boxe thaï et une fois championne du monde WPMF. Je m'appelle Kalissa Wisha, j'ai 19 ans. Je pratique le Muay Thai depuis 9 ans dans le club de Nila Ruin. Bonjour, je m'appelle Maëlle Pariez, j'ai 23 ans. Ça fait 6 ans que je pratique la boxe. J'ai commencé par le kickboxing et là, ça fait 4 ans que je me suis mis à la boxe thaï et à la boxe khmer. J'ai 50 combats pour 2 défaites. 44 combats, 3 défaites et 1 KO. J'ai 20 combats, 15 victoires, 4 défaites, 1 nul, dont 2 par KO. Ça sera le premier combat en classe A. Ouais. Alors c'est vraiment une très très belle opportunité. Merci à Rachid de m'avoir fait confiance justement sur cet événement. Une belle occasion de représenter la femme lors de cette journée. Donc très fière. C'est très important pour moi parce que ça met en avant le Muay Thai féminin justement pour la journée de la femme. Et c'est un bon gala et l'année dernière j'ai déjà boxé. Très belle organisation et je pense que ça sera du lourd. Voilà, c'est un challenge ce combat contre Kalissa. Ouais. Pour elle, entraîne-toi bien, j'espère qu'on fera un beau fight toutes les deux. Et pour les spectateurs, venez en surnombre, vous allez voir une belle démonstration de boxe. Voilà. C'est quand même un challenge et les challenges, j'adore ça. Et donc je lui souhaite une bonne préparation et j'allais dire un bon retour, mais c'est pas un bon retour. Je lui souhaite une bonne préparation et puis un bon début pour le combat. Voilà. J'espère que tu vas bien te préparer parce que ça sera du lourd, on va faire un bon combat et moi je serai prête. En tout cas, moi je vais mettre le meilleur de moi-même pour qu'elle soit prête et j'ai confiance en elle. Donc, il faut vraiment qu'en face, elle soit vraiment, vraiment prête parce que là, ça va être chaud. Déjà, bon courage et puis faisons tout pour faire un beau combat. Dans un bon état d'esprit, hein, bien entendu. Toujours, toujours. Toujours dans un état d'esprit sportif, avec tout le respect qu'on doit au camp inverse aussi. Hein, voilà, merci. Rendez-vous le 8 mars au choc des légendes. Rendez-vous le 8 mars au choc des légendes. Bah, rendez-vous le 8 mars pour le choc des légendes. Alors rendez-vous le 8 mars pour le choc des légendes. On n'est pas vraiment reconnu pour ce qu'on fait. Le problème d'Ila, c'est que par rapport à la boxe thaï aujourd'hui, surtout pour les filles, c'est que c'est vraiment pas reconnu et on fait beaucoup de concessions dans ce sport. Et malheureusement, on n'a pas forcément des bons assortis après par la suite. Quoi. J'ai envie de dire, ces dernières années, il y en a de plus en plus qui pratiquent, tant mieux. Et puis voilà, on verra peut-être d'ici 15-20 ans, ce sera encore mieux que maintenant, j'espère. Ils ne mettent pas trop en avant le Muay Thai féminin dans les galas. On ne voit pas assez de femmes boxer sur les galas. Ce serait bien qu'il y en ait de plus en plus. En même temps, on voit beaucoup plus de filles dans les clubs. Donc ça,
c'est une chose en plus, ce qui est très très bien aussi. Mais ce serait encore mieux si ils mettent le Muay Thai féminin dans les galas en avant. Malheureusement, on n'est pas suffisamment représenté. Les organisateurs ne font pas encore vraiment confiance. Et financièrement non plus, ça ne suit pas. On n'est pas encore du tout l'égal de l'homme, malheureusement. J'espère que en nous voyant boxer, ça donnera envie à certains promoteurs d'organiser des événements pour les femmes et surtout de payer en conséquence. Voilà. Merci beaucoup.